Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Ilonish Madriga Batsara, Rachel Rachel Batsara, Chaim Eliyahu Ben Shalom Louski, Alain Abraham, Ben Nissim Koskas et Shmuel Lasri. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles et nous étudions Baba Metsia Perikret Mishnah Delet. Amachlif para vechamor veyalda, vechen amocher shifchato veyalda. Ze omer at shalom acharti, veze omer mishelakarti, yachaloku. Ayulo, shnei avadim, echad gadol veechad katan. וכן שתי שדות, אחת גדולה ואחת קטנה. הלוקח אומר, גדולה לקחתי, והלא אומר, אני יודע, זכה בגדול. המוכר אומר, קטן מכרתי, והלא אומר, אני יודע, אין לו אלא קטן. זה אומר גדול וזה אומר קטן, ישווה המוכר שהקטן מכר. זה אומר, אני יודע, וזה אומר, אני יודע, יחלוקו. Deux sujets essentiels dans cette Mishnah. La première partie, d'abord, on va l'introduire en introduisant une règle générale qu'on a déjà évoquée plusieurs fois. Le principe des kinyanim, on a déjà expliqué longuement. Lorsque l'on acquiert quelque chose, il faut faire un maase kinyan, un acte d'acquisition. Et on a évoqué, par exemple, hier, le principe de tirer l'animal, de le soulever, de l'emporter, de le faire entrer chez lui. Il faut savoir aussi que, dans plusieurs situations, on peut acquérir un objet sans que l'objet soit présent devant nous, d'accord? Je peux par exemple acquérir une servante en donnant de l'argent et la servante elle est dans une autre pièce, elle est à 10 km, à 100 km, à 1000 km de là, ça change rien. Je l'acquiers parce que j'ai donné de l'argent au vendeur et Kesef connaît, l'argent acquiert, d'accord? Idem aussi, on peut acquérir cette fois-ci des biens immobiliers en les troquant. J'échange un âne contre une vache. Donc, il faudra faire l'acte d'acquisition sur l'âne, mais depuis le moment où je vais donner mon âne et l'autre donc, va acquérir l'âne en le tirant, je vais acquérir sa vache à n'importe quel endroit où elle est, même si elle est à 1000 km de là. D'accord ? Ça, c'était une introduction générale. Une deuxième aussi introduction, ça vaut le coup quand même de la dire tout de suite, comme ça, ça allègera ensuite quand on commencera, quand on abordera le texte de la Mishnah, c'est la grande règle. De manière générale, toute personne qui vient réclamer, même s'il y a de quoi douter, de quoi donner un certain poids à son propos, à son doute, malgré tout, la règle nous dit telle est la grande règle dans les quiproquos, celui qui vient faire sortir de l'argent de son prochain. À la varaya, il doit forcément ramener une preuve tranchante, des témoins ou un shtar. Ça ne suffit pas d'amener des spéculations, même fondées, même des empreintes digitales, par exemple, si ça ne veut pas dire que c'est forcément lui. Ça laisse sous-entendre qu'il est venu, mais peut-être qu'il est venu en fait il y a 3 ans pour voler autre chose dans la maison. Peu importe, d'accord, je laisse imaginer un scénario possible pour interpréter le fait qu'on trouve des empreintes digitales, par exemple. Selon la Torah, on ne pourra pas faire sortir de l'argent avec de simples empreintes digitales, parce que ce n'est pas encore une preuve qu'il a volé, par exemple. D'accord ? Ce qui se passe dans les Mishnayot, déjà depuis la Mishnah Bet, et maintenant dans la Mishnah Gimel et Dalet de nouveau, surtout dans la Mishnah Bet, surtout, et là ça va réapparaître, il y a un avis dans la Gemara, dans la Mishnah, qui s'appelle Somchus, et qui pense que chaque fois qu'on a un doute fondé, c'est quoi un doute fondé? C'est que c'est pas un doute qui démarre depuis notre quiproquo, c'est-à-dire chacun qui affirme, le doute ne démarre pas depuis nos affirmations, mais le doute est en soi-même une situation où il y a un doute, où on ne sait pas ce qui s'est passé, où il y a un vrai lieu de douter chez n'importe quelle personne qui réfléchirait sur la scène, c'est ce qu'on appelle Drara de Mamona. En tout cas, selon Somchus, quand on se retrouve dans un type de safek, de doute, donc de la sorte, alors le Somchus lui pense qu'on doit trancher, couper la poire en deux, on se partage l'objet. Maintenant qu'on a introduit ces deux notions, on va voir comment elles s'adaptent dans la première partie de la Mishnah. Amachlif parav bechamor. On parle ici d'une personne qui échange une vache contre un âne, veyalda, et mazaltov, la vache a mis bas d'un petit veau. Et bien sûr, c'est le début des grandes disputes. Pourquoi? Une petite seconde, comme ça on traite des deux cas en même temps. Vechen amocher shifrato veyalda. Idem aussi pour celui qui vend sa servante, et il s'avère que la servante a aussi accouché d'un petit esclave. Et alors là, quiproquo, zeromer ad shelo macharti,
Le vendeur prétend, Ad shelo machanti, elle a mis bar, elle a accouché tant que je ne l'avais pas encore vendu. Donc, le veau m'appartient, le petit esclave m'appartient, je lui donne la mère, la servante. Mais en tout cas, l'esclave, le petit esclave m'appartient. Oui, si j'ai une famille d'esclaves, de nos jours c'est un peu aboli, mais en tout cas à l'époque où il y avait encore l'esclavage, si j'ai des esclaves à la maison, une mère et des enfants, si je vends la mère, les enfants, ils restent les miens. C'est un bien monétaire, aussi dur que ça peut le paraître à notre époque. C'était la notion, c'est un bien. Donc, selon ce principe, si j'affirme que, si j'ai raison que l'animal, que la servante a accouché, ouais, elle n'était pas là en fait, elle était à 200 km de là, je n'étais même pas au courant qu'elle était enceinte. En tout cas, j'ai vendu ma servante et l'autre il l'a acquis, il acquiert, et il s'avère que l'acte d'acquisition s'est fait entre midi et midi 5, et sur l'acte de naissance de l'hôpital, il s'avère que le petit esclave est né à midi 3, et on ne sait pas en fait, est-ce qu'on avait déjà fait l'acte ou pas encore, est-ce que c'est à moi ou c'est à lui. Alors, dans les deux cas, donc Zéomer Ad Shalom Achati, le vendeur dit qu'elle a accouché Ad Shalom Achati, jusqu'à qu'elle ne je l'avais pas encore vendue, tant qu'elle est encore dans ma propriété. Zéomer Michel Akarti, mais celui-ci affirme, non, Michel Akarti, depuis le moment où je l'ai acquise, elle a accouché. La Mishnah tranche, Yachloku, ils devront couper la poire en deux, puisque c'est une situation de safek, de doute, on tranche, on coupe la poire en deux, comme ce qu'on a dit. Cette Mishnah va selon Somchus qui dit qu'il faut couper la poire en deux. Tandis que Chachamim vont nous dire non, on va partir selon le Marekama. On va partir, il y a plusieurs paramètres, mais de manière générale, on va se contenter de dire ça uniquement. Supposons que par exemple, la servante elle est dans ma propriété, dans la propriété du vendeur. Donc là, le vendeur restera possesseur de l'animal, du petit veau qui est né, ou bien du petit esclave qui est né parce que le safek est né chez lui. Donc c'est lui pour le moment qui le détient, jusqu'à preuve du contraire. D'accord, on ne va pas rallonger plus, mais en tout cas, c'est déjà une notion bien claire. Donc cette Mishnah, donc, telle qu'elle est écrite, de dire Yachloku, on coupe la part en deux, n'est pas retenue pour l'alakha. L'alakha sera de nous dire, on va selon le Mourzak, celui qui le détient. Donc retenez de manière générale, c'est celui qui était le premier, c'est le vendeur, parce que c'est lui qui a pour le moment l'emprise sur les objets, jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? On a à présent fini la première partie de la Mishnah. Maintenant, la deuxième partie de la Mishnah est encore une Mishnah type de Tohen Venit'an, du plaignant et de l'accusé. C'est un gros sujet de Rosh Hashanah qu'on a souvent évoqué. Et si vous faites attention, vous pourrez la comparer vous-même avec la Mishnah bête qu'on étudiait avant-hier. C'est exactement la même structure. Une situation douteuse, quatre sortes de quiproquos selon ce que chacun affirme, est-ce qu'il affirme avec certitude ou incertitude. Et on commence tout de suite avec le premier cas. Ayulo shnei avadim, echad gadol v'echad katan. Le vendeur avait deux esclaves. Par exemple, il était en train de les vendre au marché des esclaves. Il avait deux esclaves, un grand et un petit. V'echad shtei sadot, il avait deux champs à vendre. Echad gadol v'echad katan. Un grand et un petit. Ouais, faites attention, le mot sadé en hébreu est féminin. Donc ça fait achat gdola v'achat ktana. C'est des sadot, en tout cas, c'est féminin. Mais en tout cas, on parle donc qu'il avait deux champs, un grand et un petit. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va illustrer ça. Alokea chomer gdola lakarti. L'acheteur vient et dit, hey, quand je t'ai acheté, je t'ai allongé les 100 000 euros shekel pour que tu me vendes. On avait parlé du grand, pas du petit. L'autre dit, oh là là, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai un doute. Je ne sais pas ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, je pense que je parlais du petit, mais je ne suis pas sûr. Donc, on a ici le lokéar, l'acheteur qui vient et qui réclame, tu me dois le grand, celui qui coûte, en réalité, donc, 120 000. L'autre dit, mais non, l'autre dit, je ne sais pas, peut-être que je te dois en fait le petit, qui coûte en réalité 100 000, 80 000, peu importe. D'accord ? Qu'est-ce qu'il doit faire? La Mishnah nous enseigne Zacha Bagadol. L'acheteur sera celui qui aura gain de cause et le vendeur devra lui donner celui qui est grand. On s'arrête là tout de suite et on explique parce que cette Mishnah elle est telle qu'elle, elle n'est pas compréhensible. Elle nous confronte à des lois complexes de Bari Veshema, Lobari Adif. Et ça contredit en fait, c'est la notion qu'on a rapportée juste avant. On va présenter ça de manière simple. Regardez, on va présenter ça comme ça. On a une règle, tout d'abord, que selon la Torah, on doit jurer lorsque on est modé bémixat atahana.
si je vous réclame, je vous dis, vous me devez 100 shekels, et vous me dites, attends, 50 shekels, pas 100. Et moi, je dis non, 100. Donc là, on a une situation type où je réclame 100, vous reconnaissez 50, vous êtes ce qu'on appelle un modèle mikta tatana, vous reconnaissez un petit peu de la tatana, de ce que je réclame, et de ce fait, il y a la Torah qui vous impose de jurer. Vous devez jurer et vous faire acquitter, dispenser, vous jurez que vous ne me devez que 50, vous demanderez les 50. Il y a maintenant une règle. Lorsque vous devez jurer selon la Torah, si vous n'êtes pas capable de jurer, parce que par exemple vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous dites 50, je te les dois, mais 50, je ne sais pas ce que je te les dois. Alors là, c'est une règle qui réapparaît fréquemment, on l'a même évoquée donc avant-hier, puisque vous avez un devoir de jurer. Et vous ne pouvez pas jurer parce que vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous avez pas envie de mentir, vous n'êtes pas capable de me contrer, affirmer le contraire, ouais, désaffirmer ce que je dis, que vous me devez 100, vous n'êtes pas capable de dire non 50, vous n'êtes pas capable de l'affirmer avec certitude, vous ne pourrez pas jurer, mais vous devrez plutôt payer les 100 que vous me devez. Selon ce principe, c'est ce principe qui génère notre Mishnah. On va le présenter de nouveau de manière simple. Je vous ai donné de l'argent pour acquérir, je prétends que je vous ai donné l'argent pour acquérir la valeur du grand, donc un grand esclave qui coûte 100 000, et vous me dites non, peut-être que vous me devez que 80 000 en fait. D'accord, que le petit qui vaut 80 000, donc là regardez, vous êtes ce qu'on appelle un modé pemiksa tatahana. Vous reconnaissez un petit peu, donc vous devez normalement jurer sur les 20 000 d'écart, et vous n'êtes pas capable de jurer parce que vous n'affirmez pas avec certitude. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit « Zaha begadol, j'acquiers, vous devrez me donner le grand. » D'accord ? Principe clair. On continue. « Amocher omer katan machanti, vala omer eni yodea, en lo ela katan. » Là, c'est un cas très simple. On inverse les rôles cette fois-ci. C'est le vendeur qui affirme avec certitude que je t'ai vendu le petit. Tu es dans la lune, tu crois que j'allais te vendre le grand à 80 000, le grand écoute 100 000, tu m'as donné que 80 000. Ben alors, Omer Eni Yodea, je sais pas. L'autre, il répond, je sais pas. Moi, j'étais sûr qu'on était en train de parler du grand. Je suis sûr qu'on a même, je suis quasiment sûr qu'on a évoqué le grand. Mais en tout cas, il n'est pas capable d'affirmer avec certitude. Donc là, il réclame rien. L'ami, il se fait avoir. Le vendeur lui dit, ben, ami Mourzak, je suis moi le Mourzak. Tu réclames plus sans vraiment réclamer. Ben, viens avec quelque chose de fondé. Pour le moment, je te donne le petit et tu me laisses tranquille. D'accord, c'est clair ? Selon ce principe de nouveau, Zomer Gadol, Zomer Katan, cette fois-ci, ça y est, chacun est sur ses grands chevaux, et le vendeur affirme, je t'ai vendu le petit, tandis que l'autre lui dit, non, tu m'as vendu le grand, tu dois, donc bah là, on a un cas type, l'un réclame le grand, et l'autre répond, non, le petit, avec certitude, donc c'est un vrai cas de Modé Bemiksa Tatahana, il reconnaît un petit peu, donc il reconnaît partiellement le... D'accord, c'est une joie de Horeta, il reconnaît partiellement la réclamation de l'autre. De ce fait, il doit jurer, Ishava Mocher Sha Katan Machar, le vendeur devra jurer qu'il n'a vendu que le Katan. D'accord ? Et le dernier cas de figure maintenant, Zeomer Eni Yodea, Vezeomer Eni Yodea, Yachaloku. Cette fois-ci, on parle d'un cas où tous les deux sont dans le doute, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. L'autre dit, mais je suis quasiment sûr qu'on parlait du grand. L'autre dit, non, peut-être le petit. Mais personne n'est capable d'affirmer avec certitude. Alors là, la Mishnah, on a la Mishnah qui nous dit de nouveau, Yachaloku, ils devront couper la poire en deux, partager. C'est-à-dire, le petit coûte 80 000, le grand coûte 100 000, on va dire, tu sais quoi, donne-lui 80 000, 90 000 quoi, tu lui donnes le petit, tu rajoutes 10 000 avec, on coupe la poire en deux, et de nouveau cette Mishnah va que de ce nom, Somchus, qui nous dit qu'on coupe la poire en deux, tandis que Chachamim vont nous dire, le vendeur est celui pour le moment qui détient l'objet, jusqu'à preuve du contraire, il t'a donné le plus petit, jusqu'à ce que tu prouves qu'il t'a donné effectivement le plus grand. Ce sera là. Il y a maintenant, j'ai slalomé, j'ai contourné un problème énorme à l'intérieur de cette Mishnah, c'est qu'en réalité, on a une règle qui va nous chambouler toute la Mishnah. Je la dis très rapidement, c'est que selon la Torah, on ne peut pas jurer lorsqu'on ne jure pas sur un esclave, on ne jure pas sur un champ. C'est une règle. On jure que sur des biens mobiliers, pas sur des biens immobiliers, donc sur les karkaot, on ne peut pas jurer. Et Eved ou Kash le karkaot, dans la Torah, on a déjà évoqué aussi cette règle, les esclaves sont... L'esclave est juxtaposé aux lois des biens immobiliers. Et on ne peut pas jurer ni sur un esclave, ni sur un,
sur un champ. Et donc on a un problème dans cette Mishnah. Pendant tout le long, on a parlé de jurer, pas jurer. Il y avait le troisième cas où est-ce qu'il fallait jurer. Le premier cas aussi où est-ce qu'on a imposé de payer. C'est parce qu'en fait, il a un devoir de jurer, mais qu'il ne peut pas jurer concrètement. On a un problème technique. Et la Mishnah, la Gemara répond ça de manière simple, en disant qu'en réalité, on ne parle pas que concrètement, je t'ai donné, que tu m'as donné l'argent pour acheter un grand, pour acheter un petit, mais plutôt qu'on parle, par exemple, je l'explique comme ça, que j'ai nommé un envoyé, un émissaire pour partir m'acheter, et je lui dis que je t'ai donné la valeur d'un grand, je t'ai donné 100 000 pour partir acheter au marché, et l'autre il dit non, tu m'as donné la valeur d'un petit, d'accord, ou bien entre un vendeur et un acheteur, mais en tout cas, leur discussion, elle est sur la valeur qui a été donnée, pas directement sur le champ ou sur l'esclave, mais sur l'argent qui a été donné en contrepartie. On a fini la Mishnah, et on fait très rapidement le Bar Tanoura, Bezrat Hashem. Première partie du Bar Tanoura, c'est d'expliquer le fait qu'on peut acquérir des objets, une vache ou une servante, alors qu'ils ne sont pas présents devant nous. Tout ce qu'on explique à l'oral, c'est qu'il y a dans le Bar Tanoura. Devet Knaani Nikne Bekesef. L'esclave Goy est acquis par de l'argent. On peut l'acquérir avec de l'argent. Urshinatan Namot Nikne Tanoa Shifra Bechol Makomshi. Et au moment où il lui donne l'argent, sa servante est acquise à l'endroit où elle se trouve. Et donc on ne sait pas. Est-ce que, jusqu'à qu'il lui a donné l'argent pour acheter, est-ce que l'animal avait déjà accouché et donc le Ubar, le petit veau, appartient désormais, et appartient donc au vendeur, ou bien est-ce que l'animal a mis bas après l'acte d'acquisition? Et donc, le veau appartiendra au nouveau propriétaire, à l'acheteur. Avalpara, on parle de veau, excusez-moi, on parle de servante, d'accord, bon. Et maintenant, on va parler de la para. Avalpara, enaniknen bekesef elabimshicha, attention. On ne peut pas parler dans le cas. Donc, pour la servante, on a parlé du cas où j'ai donné de l'argent. Pour l'achat de la vache, on ne peut pas parler du cas où j'ai donné de l'argent. Pour quelle raison? Parce que enaniknen bekesef elabimshicha, on n'acquiert pas un bien mobilier. Pour ceux qui se rappellent du Perek Dalet, on apprenait ça longuement, on ne peut pas acheter un bien mobilier en donnant de l'argent. Il faut nécessairement le faire le Masem Shicha. Or, si tu as tiré la vache, donc tu as bien vu, est-ce qu'elle a couché ou elle n'a pas couché? Donc de quoi on parle? De Kevan, de Machar, Midayada, Yalda Kvar, Olo, Yalda. Et puisqu'on parle qu'il doit forcément tirer l'animal, donc il est capable de voir si elle a mis bas ou elle n'a pas mis bas. Les Achits, Tarich, les Mitne, Amachlif. C'est pour ça que notre Mishnah a eu besoin d'enseigner. En utilisant le mot de machlif par Rabbi Hamoru, il a échangé, il a troqué une vache contre un animal, d'aller des khalifines, parce qu'en échangeant, en troquant, kevan shemashach ha'echad, nikne ha'acher bechol makom shehu. Lorsqu'il tire l'un, il acquiert l'autre, quel que soit son endroit. Lefikach en yadwaim yaldaim lo yalda. C'est pour ça que dans ce cas-là, on arrive à une situation, il y a un quiproquo, on ne sait pas est-ce que l'animal avait mis bas avant ou après l'acte d'acquisition. Yachloku. Donc sur le din de la première partie de la Mishnah, il y a marqué « Yachloku, ils devront partager ». La Bartanura nous dit « Ou matnitin somchus » la Mishnah va son somchus. « Velet el chetakabate » La halakha n'est pas établie comme lui, mais selon, plutôt, « Chachamim » qui dit « Zekla le gadol bedin » « Zekla le gadol katan » Donc là, on se rapporte, le Bartanura nous projette directement sur le troisième cas, où chacun affirme avec certitude, l'un dit que « J'ai acheté le grand » et l'autre dit « J'ai acheté le petit ». Zéomer Dmei Vegadol. Regardez le mot Dmei ici, c'est la solution. On ne parle pas qu'il lui réclame un esclave, parce que sur un esclave on ne peut pas jurer. On parle qu'il réclame la valeur de l'esclave. Zéomer Dmei Vegadol. Zéomer Dmei Vegkatan. On parle par exemple, on peut parler aussi d'un cas d'un acheteur. En tout cas, il lui dit, je t'ai donné la valeur d'un grand esclave, donc je t'ai donné 100 000. Donc laisse tomber, ne fais pas d'acquisition, mais rends-moi mes 100 000. L'autre lui dit, non, tu m'as donné la valeur du petit, tu m'as donné que 80 000. Délo et Vet Mamash, par contre, si c'est un vrai esclave. Hakaimalan, Danish Bain al-Avadim. On tient comme règle qu'on ne peut pas jurer sur un esclave. Veod, Mashetano, Lodalo, Omashodalo, Lotano. Et en plus de ça, ça me tombe dessus. Hein. J'essaye de fuir cette halakha depuis maintenant quelques Mishnayot en arrière, mais je ne vais pas vous le dire non plus aujourd'hui. Il y a une règle de Mashetano, Lodalo, je vais quand même vous leur dire un petit peu à l'oral histoire de. J'ai un devoir quand même d'enseigner ce qu'il y a écrit. Donc, Mashé Tano Lodalo, Mashé Odalo Lodalo. Donc, ce qu'il lui réclame, il ne lui reconnaît pas. Ce qu'il lui reconnaît, il ne le réclame pas. Veloaya Kan Makom Lijwa. Je vous le dis très rapidement. On a une règle. Lorsque je viens, et on l'a déjà évoqué quand même, c'est une règle dure à admettre. Donc, je préfère éviter de la manipuler tant qu'on n'est pas arrivé à Masekhet Jvuot où ça va nous tomber dessus. Donc, on le fera. Mais, succinctement, lorsque je viens, je vous dis, tu te rappelles, il y a trois jours, je t'ai prêté 1 kg de farine de blé. Tu ne me l'as toujours pas rendu. Et l'autre dit, non,
tu ne m'as pas prêté 1 kg de farine de blé, tu m'as prêté 1 demi-kilo de farine d'orge. Donc je réclame Tanochitin Veodalo Beseorim. Je réclame du blé et l'autre me dit non, il me doit de l'orge. Et moi je lui dis non, pas de l'orge, du blé. Est-ce qu'on considère une situation pareille où qu'il y a en réalité un modé bemiksatatahana, vous reconnaissez un petit peu ce que je vous réclame. Je réclame 1 kg, une valeur de 20 shekels, et vous admettez quand même me devoir quand même 6 shekels, un demi-kilo d'orge. Ou bien ce qu'on va dire non, puisque c'est deux espèces, lorsque je réclame de la farine, alors je renonce à la farine de blé, je renonce à réclamer de l'orge. Et lorsque vous reconnaissez de l'orge, donc moi-même j'ai dit non, de la farine et pas de l'orge, donc vous ne me devez pas de l'orge. C'est une notion que Tanochitin Vodolo Beseorim Patour. Lorsque je réclame du blé et vous reconnaissez que vous me devez plutôt de l'orge, et moi je dis non, du blé, vous ne devez rien me rembourser, même pas l'orge. D'accord ? Pour la simple raison que lorsque je réclame une chose, alors j'affirme que c'est comme ça que ça s'est passé et pas autrement. Donc je renonce à prendre de l'orge. C'est quelque part comme si que tacitement je disais, si c'est pour payer de l'orge, garde-le. Et donc vous ne me devez rien. Et selon ça, ça chamboule un petit peu les halakhot. Et on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Kol tov sela.